Quel pays choisissent les Algériens pour se soigner? Les Algériens sont de plus en plus nombreux à se rendre à l'étranger pour se soigner. En effet, face aux nombreuses lacunes du système de santé local, des Algériens se tournent vers les cliniques et les hôpitaux étrangers dans le cadre du tourisme médical. Certains pays étrangers sont devenus ces dernières années l'attraction des Algériens en quête de soins. C'est le cas notamment de la Turquie, devenue l'une des destinations phares des Algériens pour se soigner. Selon un rapport de la Ligue algérienne des droits de l'homme, près de 500 000 citoyens d'Algérie se sont rendus en 2019 à l'étranger pour soigner des maladies qui ne sont pas prises en charge dans leur pays. L'écrasante majorité, 450 000 environ, a choisi la Turquie. En 2023, plus de 1000 ont franchi les portes du groupe hospitalier turc Memorial Healthcare, indique Jeune Afrique dans un reportage consacré aux soins des Algériens en Turquie. Les Algériens choisissent la Turquie pour leurs soins en raison notamment des prix considérablement inférieurs à ceux pratiqués en Europe. Il faut compter 50 000 euros pour une greffe de foie et 18 000 euros pour une transplantation rénale à Istanbul, contre jusqu'à 300 000 euros en France ou en Espagne.